Salut tout le monde, je voulais juste vous montrer un truc assez marrant que je viens de voir sur eBay. C'est ça, Lo console Dreamcast PAL Region Free, plus 29 jeux. Donc déjà on voit que c'est pas une PAL là, puisqu'elle a le logo rouge. Elle a cette partie là qui est transparente, donc c'est une coque Jap. Jappe un CD de boot pour lire les imports. Donc ouais, c'est pas une console Region Free. Donc ça fait cher le CD de boot. Le problème, c'est que je vois très souvent des Dreamcast comme ça qui sont considérés Region Free, alors qu'en fait, pas du tout. C'est Utopia qui fournit avec. Et ce qu'il y a, c'est que y a des gens qui achètent puisqu'ils pensent qu'ils achètent une console Region Free. À partir du moment où on utilise un CD de boot pour lancer des jeux d'une autre région, on peut pas dire qu'on a vraiment une console qui est Region Free en fait. Puis c'est comme utiliser un loader, un action replay, des trucs comme ça. Donc ouais, en gros, ça fait plutôt cher le CD gravé de payer ça. Et en plus, il y a 20 jeux que c'est des copies. Donc ouais, c'est abusé. Ouais, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à plus.